Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo délicieuse qui va autant au barbecue qu'à la poêle, qu'au four. Après, c'est vous qui voyez comment vous aimez faire. C'est pas un burger, c'est un smash burger. Donc, en traduction, c'est un burger écrasé. Vous verrez, la viande est croustillante à l'extérieur, elle est parfaitement moelleuse et juteuse à l'intérieur. C'est vraiment une autre façon de faire. Ça n'a rien à voir avec ça n'a pas du tout le même aspect gustatif qu'un burger. Donc aujourd'hui, on va attaquer cette recette avec la liste des ingrédients comme d'habitude dans la description, ainsi que deux trois petites explications, deux trois petits conseils également dans la description. Comme d'habitude, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la partager avec tes amis, à liker et à lâcher un petit commentaire. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner. On se retrouve tout de suite en cuisine et on va attaquer cette recette. Voilà, alors pour cette vidéo des Smash Burgers, on va avoir du pain. Ça, personnellement, c'est du pain aux herbes que j'ai acheté chez un boulanger, du cheddar, du sel, du poivre, des oignons hachés finement, des pickles de concombre et de la viande hachée pure bœuf avec entre 35 et 45% de matière grasse pour le smash burger. C'est très important. Pour un burger, vous ferez épais. Par contre, là, on peut descendre à 20%, mais pour le smash, c'est bien que ce soit un peu plus gras parce que ça va donner ce côté vraiment croustillant à l'extérieur et moelleux dedans. Donc on va passer à la confection des boulettes de viande et à la cuisson des pains, etc. sur la suite de la vidéo. Alors, pour la confection de nos smash burgers, on prend la viande hachée. On fait des boulettes qui font à peu près entre 80 et 100 grammes. On les tasse bien, on les roule un peu, ça c'est un truc sympa. Et on les met là, on va les réserver au frais avant de faire la cuisson. J'ai oublié de vous dire dans la liste des ingrédients avant, mais ce sera dans la description. J'ai mis 3-4 tranches de bacon que je vais faire griller auparavant, hein, pour mettre dans notre burger. Rajouter un petit peu de ce goût fumé barbecue. Ça va être impeccable. Voilà, on fait nos boulettes. À peu près 800 grammes. En général, c'est la bonne proportion. Après, s'il y en a un qui veut plus, qui est un plus gros mangeur, vous pouvez sans autre lui mettre deux tranches de viande, ce que je vais faire pour moi-même, je pense. Hein? Parce qu'il n'y a pas de raison, il faut se faire plaisir. Donc, ce que je vais faire, c'est que moi, je les prépare à l'avance. Et puis, je les réserve en tout cas une bonne demi-heure au froid. Avant de passer, pour qu'ils prennent bien, ça prenne bien tout ensemble, qu'il y ait une bonne prise. Voilà, par exemple là, moi je prends deux boules pour moi, proportionnellement, et ma fille va en prendre juste une. Pour donner une idée, elle a 9 ans, elle mange assez bien, elle aime bien les burgers, donc, mais une est suffisant pour elle. Donc on fait comme ça. Je les aplatis juste légèrement, pas que ça roule partout quand je les transporte. Et on va mettre ça au frais, une petite demi-heure. Voilà, on va mettre notre poêle à chauffer. Le secret pour le bacon, pour qu'il soit bien croustillant, c'est une poêle à feu moyen et y aller en douceur. Ça va faire fondre un peu le gras. Et la graisse, on va la garder. On va l'utiliser pour griller nos burgers directement. Comme ça prend bien le goût. Et on va faire griller ça à feu doux. Voilà, le bacon, il est bien grillé. On l'égoutte. Et on le met sur un sopalin. Comme ceci, ça pompe l'huile. Et on le met de côté. On fait bien chauffer notre poêle, on voit qu'elle est fumante. On va prendre les burgers, on les met dedans. On va mettre un peu de sel pour assaisonner. Et on va les smasher. Pour ça, on va sulfuriser. Là, j'ai un smasher, donc ça, j'en ai acheté un. On va faire ça avec une spatule. Moi, je mets
là-dessus. Et on écrase bien. Et là, ça va assez vite, hein, après la cuisson est très rapide. Et là, je vais baisser le feu à feu moyen. Je prends une spatule et je détourne comme ceci. Et là, je vais y mettre le cheddar. Et pour le faire fondre, la petite technique, on met un petit peu d'eau et le couvercle. Pendant que notre viande est en train de cuire, on va faire dorer nos pains. On met à feu moyen fort et on va dorer nos pains. Là, notre viande, elle est prête, on va la débarrasser dans quelques minutes, on va la mettre de côté qu'elle repose un peu. Ah, j'ai fait fondre mon beurre, on le répartit bien dans la poêle et là, un truc simple, on met notre pain directement dedans à griller. Pas très longtemps, c'est juste histoire de donner une belle couleur. Voilà, tout est prêt, maintenant on va procéder au montage. Alors, comme je suis avec ma fille, on va faire pour les deux. On va mettre déjà un peu de mayonnaise. À chacun. On va mettre les oignons pour moi parce que ma fille elle aime pas, hein. Moi j'aime bien les oignons. Alors, je n'ai pas coupé trop. Les oignons. Ensuite, on va se mettre les cornichons. Comme ça, ça suffira. Voilà, ensuite, on va y mettre notre viande. Comme ceci. On va y ajouter nos tranches de bacon. Comme ça. Ensuite, on va ajouter notre ketchup maison. Je montrerai la recette plus tard. C'est la prochaine vidéo, je pense. Bah tiens, on va faire comme ça. Si vous aimeriez que le ketchup maison, je vous le fasse, la recette, la semaine prochaine, marquez-le moi un petit commentaire. Et si ça motive tout le monde, je vous fais ça. Et ça vous fait un truc nickel. Ensuite, on va recouvrir notre burger avec les chapeaux. Et il n'y a plus qu'à déguster. Et voilà, Smash Burger. À gauche, vous avez le simple avec une seule viande et à droite avec deux viandes. Résultat de celui de droite, par exemple, c'est l'équivalent d'un burger normal avec les viandes plus épaisses et l'autre un demi-burger.
Voilà, la recette est terminée. Et là, maintenant, 2-3 photos et on va déguster. Voilà, j'espère que cette vidéo elle t'a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, si t'es pas encore fait, je recommence à te le dire. Abonne-toi, lâche un petit commentaire, un petit like, ça fait toujours plaisir. Et surtout, bon appétit, prends soin de soi. Allez, à tout bientôt. Allez, ciao!